Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Capi dans le Jurassique. Donc nous revoilà où on s'était quitté. Je vais désactiver ce mono là, voilà. Donc par rapport à l'épisode passé, je me suis rappelé, enfin je suis allé vérifier le craft de du cultivateur qui est voilà, il me faut ça. Donc j'avais oublié, en fait il fallait un seau rempli d'eau. Donc ce qu'on va aller faire tout de suite. Où est-ce qu'elle est l'eau? Là. Voilà, ainsi. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est on va faire l'analyseur déjà. Donc je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Ça, et alors deux de glace sur le côté, et voilà, on a un cultivateur. Donc la meilleure chose à faire, c'est le mettre dans le sol. Pourquoi? Parce que quand l'expérience rate, comme je vous ai expliqué, ben ça, en fait le cultivateur il se casse, et le cultivateur, ben il se casse et c'est de l'eau qui tombe par terre. Par contre je pense pas que j'aurai assez de fois-ci, il me fait chier. Non, je vais le retirer. On va laisser là. On va aller chercher un peu des fossiles. Est-ce que j'ai... Ouais, ça va, j'ai une pioche. Parce que sans fossiles, en fait, ben, on saura pas faire grand chose. Donc on va en rechercher dans la crevasse. Enfin, quoique non, j'ai vu une autre grotte, il me semble. Parce que j'ai pas joué depuis hier soir. Donc je me rappelle pas trop. Non! Bien joué Capi, super intelligent. Donc là-bas il y en a encore un petit peu. C'est où l'entrée? Voilà. C'est ici quelque part je pense. Ouais. Voilà. Donc j'espère qu'il me faut en fait juste des biofossiles pour faire de l'analyse. Les reliques scrap là c'est moins important. Non, ne tombe pas. Voilà, bien sûr. Maintenant que je dis ça, je vais avoir que de l'autre, hein, bien sûr. Ma chance légendaire. Putain, j'ai sur 6 blocs, j'en ai pas eu un seul. Et ben voilà, j'ai dit pour déconner que je vais avoir que des reliques rap. Et ben j'ai que des reliques rap. Ah voilà quand même. J'ai eu un bios fossile quand même, parce que... Faut pas prendre les gens pour des cours, hein, j'ai envie de dire... on va prendre le fer là au-dessus. Oh, y a le charbon, on vient de se péter la gueule. Il y a encore plein de fer. Attendez, je vais illuminer un petit peu pour vous. On va regarder sur les parois, sur le côté. Là, il y en a. Est-ce que je vais me tomber? Ouais. On va le faire de l'intérieur de la paroi. Pour éviter que le fossile il se pète la gueule. Voilà. Et on... Putain, j'ai vraiment que des loot de merde, c'est pas possible. J'aimerais bien des biofossiles, s'il vous plaît. J'ai été gentil aujourd'hui, j'ai des beaux résultats à l'école, c'est bon, hein. Je sais pas ce qu'il faut. Attendez, hein. Je sais que vous voyez pas grand-chose. Moi, je vois pas grand-chose non plus, j'essaie juste de pas tomber. Et je vois qu'il y a pas mal de ressources, en fait, au plafond. Donc, je fais gaffe de pas tomber. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus? Non. Vous entendez le train comme dans presque toutes mes vidéos, parce que quand je suis à l'internat, à chaque fois il passe le train, c'est grave. On dirait qu'il attend que je commence la vidéo pour passer. Faire un petit pont, je sais bien, c'est un peu Indiana Jones mon truc, mais bon. C'est pas pour, pour passer tout le temps non plus. Voilà. Là il y a pas mal de fer. Je vais devoir grimper. Putain, fais chier. Allez. Ainsi, on grimpe, voilà. Donc je voulais vous demander en fait
Qu'est-ce que vous préférez dans Minecraft, vous? Parce que moi, perso, c'est... j'aime bien, c'est le... Au début, j'aimais bien l'agriculture. Et à force de continuer à jouer tout ça. Et franchement, les comment? Faire des maps... Oula, j'arrive pas à sortir. Faire des aventures suivies avec des modes. Enfin, un mode en particulier. Franchement, je commence à vraiment bien aimer. Et si vous voulez cette saison-ci en Jurassic Craft, bah, une fois que je dirais dans ma tête que voilà, bah, on arrivait à la fin de la saison, qu'on aura fait un peu de tout, enfin qu'on sera bien installé, on aura fait déjà répertorié une dizaine de dinosaures, enfin je me dirais que là la saison elle est terminée. Et on commencera une nouvelle saison. Et j'ai déjà trouvé le mode suivant pour la deuxième saison. Mais je la garde en tête pour faire un petit peu de suspense. Donc cette fois-ci, il n'y a personne qui est au courant. Enfin, si peut-être Sifil parce qu'il l'a vu avec moi. Mais je pense pas qu'il pense que je vais faire ça. Enfin, soit. Et franchement, ça peut être vraiment pas mal. Si le mode je l'installe bien et qu'il n'y a aucun bug, franchement c'est un mode de malade. Et non, ce n'est pas laser comme plusieurs personnes m'avaient suggéré de faire dans l'ancienne chaîne. Mais un autre mode que pas grand monde, enfin j'ai regardé un petit peu sur YouTube, il n'y a pas grand monde qui ont fait des vidéos dessus. Donc c'est tant mieux, tant que. Enfin, moins c'est connu, mieux c'est pour moi. Là on a déjà 30 de fer, ça c'est. J'ai essayé de pas me péter la gueule, ce serait dommage. Là il y a un fossile. Oh ils sont sérieux ou quoi? Allez hein. J'aimerais bien. Voilà, des biofossiles, vous faites pas chier. Allez non, regardez ça. 4 fossiles. Et ah bah voilà, il n'y a qu'à demander. 4 roses quoi d'affilée. Eh ben voilà. Ouais, il suffit d'hausser un petit peu la voix et ça comprend directement. Hein. Je veux. Non, j'aimerais bien. Des biofossiles, s'il vous plaît. On n'a pas par là. On va aller voir par là. Que je sais bien que la dernière... Non, c'était pas... C'était de l'autre côté... Non, c'était de ce côté-là que j'avais pas été. Enfin, je sais plus trop. Parce que je sais bien que la dernière fois, quand j'avais visité, j'avais pas été jusqu'au bout de la grotte. Mais je ne sais plus c'était où. Le fer, je l'aimerais bien. Allez, prends-le. Voilà. Non, non. Putain, y a plein de fer que j'ai pas vu. Mais je crois qu'on va aller en fait dans la mine. Parce que dans la mine. J'ai une épée moi. Ouais, elle est là à côté, j'ai même pas vu. Si jamais il y a des monstres, par contre, on va se faire des torches. Parce que vous n'allez pas voir grand chose en fait. Si on est dans le noir. J'espère que. Ah, un Nautilus. Donc là en fait c'est le premier dinosaure. Donc on va le tuer, comme ça on aura son fossile entre guillemets. Et on pourra le reposer dans de la fleur, enfin dans un enclos prévu pour. Voilà. Donc ça c'est un Magic Kunch. Bon. Plésiosaure. Et nanana. Ouais mais non, moi je veux pas que les plésiosaures y viennent. Enfin soit c'est pas grave. On va aller juste me dire là, j'en vois là au-dessus. On va retourner juste de ce côté-ci une dernière fois. Et puis après on ira dans la mine. Dans la mine. Et j'espère qu'il y aura plein de fossiles. Oh du fer. Donc ce que je pense que je vais faire en fait c'est au futur quand je devrais analyser, ben, je vais analyser seulement les reliques scrap.
Et les biofossiles, je crois que je vais les garder. Mais je sais pas pourquoi, mais il me semble que les biofossiles, il n'y a que ceux-là qui peuvent donner de l'ADN, mais je suis pas 100% sûr. Là, il y en a encore. Mais bon, faudra que je vérifie ça. Mais il me semble que normalement, il n'y a que les biofossiles qui peuvent donner de l'ADN, mais je sais pas. Enfin, logiquement, les deux devraient pouvoir en donner, puisqu'on peut les analyser. Enfin, soit, c'est pas trop grave. On vérifiera ça en temps voulu. Et par contre, il y a quelque chose, en fait, dans le mode qui est ajouté, mais que je sais pas encore trop à quoi ça sert, c'est les stone tablettes. En fait, c'est ça, les relic scraps, c'est la même chose, mais pas cassé, en fait, enfin... Je vous montrerai, on en a déjà produit quelques-unes lors de la dernière analyse. Mais je sais pas encore exactement à quoi ça sert. Je pense, hein, je vous dis bien, je pense que c'est pour faire des tableaux spécial jurassiques, entre guillemets. Mais je suis pas sûr et certain, faudrait que je vérifie ça. Non, ne tombe pas, voilà. On va aller de nuit visiter ce bazar. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Mettre une torche pour dire qu'on est passé. On regarde bien partout parce que souvent il y a plein de bazar au plafond dans les mines, voilà. Bon, ça on n'en a pas trop besoin pour le moment. On va utiliser la technique à Bob Lennon. Ah, ça descend ici, c'est bien. Bon, on va descendre ici. Donc on met toujours les torches à droite. Comme ça, quand on veut remonter, eh ben il suffit que les torches soient à gauche et ça veut dire qu'on remonte vers la surface. À l'arrache. Et ah si, il y a quand même, parce que je me suis dit merde, je suis descendu pour rien. Mais bon, on va d'abord sécuriser de l'or. Nickel, on n'avait pas encore trouvé. Il y a un filon assez grand en plus. On a trouvé combien? 8 d'un coup, c'est pas mal. On va boucher ça parce que je sens que ça va m'énerver. Voilà. On va se faire un escalier de fortune. Voilà. J'ai pas regardé s'il y avait des trucs au plafond. Là au-dessus, il y a du fer. Là en dessous. Mais attendez, je vais retourner puisqu'il me semble là-bas j'ai vu. Enfin non, c'est pas grave. On continue d'avancer. On retournera en arrière après. Parce qu'il me semble que quand on peut péter ça. Oh, un bouc. Bon, on se fera un dinopédia, comme ça je vous montrerai à quoi ça sert. Donc le dinopédia, c'est l'équivalent du Pokédex de Pokémon, c'est comme ça que je l'appelle, version Jurassic Craft. Je vais éclairer tout ça parce que vous n'allez pas avoir grand chose. Désolé de pas avoir encore le réflexe de vous éliminer, mais pour moi quand je vois, ben, je pense pas à vous forcément quand je joue. Ça, j'aime tout. Ah oui, on peut avoir des trucs. Non, ouf, j'ai cru que j'allais tomber dans un trou. J'aimerais bien péter tous les trucs. Un truc de gel. Putain, ça se propage et tout en plus. C'est pas beau ces blocs là, j'aime pas la texture. Enfin, regardez, c'est pas beau. Je crois qu'il y a un truc là au-dessus, mais on va pas aller. On va traverser la cascade. Si elle veut bien. Voilà. Alors. On fout une... Ça, il y a déjà une torche. On traverse la cascade. Et oh oh! Deuxième crevasse. Parfait, parfait. Quand j'ai pété ça, parce que je déteste le gravier, ça vous deviez le savoir. Je déteste, je crois que c'est le bloc que je déteste le plus de tout Minecraft. Même plus que les creepers, je pense. Je préfère encore les creepers au gravier. Ah, on a eu de la viande congelée. Je vous montrerai ce qu'on peut faire avec la viande congelée. Normalement, avec le Archaeology Workbench, on peut le chauffer et rattraper de la viande normale. Il me semble, je suis pas normal. Il me semble que ça va ça. Ou alors c'est avec un four, je sais plus. Enfin, soit on peut faire quelque chose avec cette viande gelée. Voilà, des trucs à la con. D'accord. Enfin, c'est pas grave.
tant mieux, on aura de la bouffe comme ça. Alors. Ah ouais, j'ai même prévu un minuteur aujourd'hui, les amis. Hé. Par contre, on n'a plus. Par contre, on commence à être en pénurie de bois, hein. Va falloir aller en rechercher. Oh, nickel. Pile poil ce qu'il fallait. Va falloir aller en rechercher un jour. Putain, et c'est haut en plus ce bazar. Du charbon, on n'en a plus, on va en reprendre. Voilà encore. Je sais que je me répète au fur et à mesure des saisons, mais quand je vois les filons de charbon qu'il y a maintenant et la facilité avec laquelle on trouve, alors que quand j'ai commencé Minecraft, c'était la bêta, je crois qu'on était en 1.3, mais trouver du charbon, mais c'était encore plus dur que trouver du diamant, quoi, sérieusement, c'était abusé. Une début d'aventure, il fallait quoi, 5-6 épisodes avant de trouver du charbon. Il fallait faire limite du minage optimisé et des bazars comme ça pour en trouver, c'était un peu abusé. Enfin, qu'on voit l'utilité que ça a, enfin, c'est limite indispensable. Ça, c'est indispensable. Enfin, on sait faire sans, mais bon, c'est mieux quand on en a. Et maintenant, avant, ça avait même, il n'y avait même pas comment, le charcoal, que ça s'appelle, c'est le charbon qu'on peut créer avec du bois. Mais il n'y avait même pas ça en fait. Putain, je vais avoir carrément un stack de fer. Par contre, il n'y a pas beaucoup de fossiles hein, ici. Ils sont pas gentils avec nous. Par contre, il y a des trous partout. Ah, ça descend. Attendez, on va aller voir. Alors, il y a un trou. Il y a de la lumière. Je sais pas ce que c'est. Il y a les blocs gelés. Se faire un escalier de fortune. Bon bah, on descend à l'arrache, hein, tant pis. Alors, qu'est-ce qui illumine? Non. Je vais pas me barrer parce que je sais bien que si je fais pas mon escalier, je saurai jamais par où remonter. Par là. Par là, par là. Et par là. On pète ça. On vérifie qu'on peut descendre. Voilà. Illuminé pour vous. Ainsi. Ainsi. Et voilà. On va prendre le charbon. Le truc que j'espère, c'est que je vais retrouver mon chemin quand même après, quand il va falloir remonter. Parce qu'on commence à être vachement loin. Bah, je pense qu'il y a moyen que je m'y retrouve avec les torches. Oh là là, ça se propage. Un bouc. Voilà, j'aimerais bien passer. Voilà, merci. Ouh là là. En général, qui dit lac de lave dit diamant. C'est un putain de lac de lave là en plus. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai failli sauter. Oh franchement, là, j'aurais eu mauvais. Je l'aurais eu mauvaise. Attendez, hein, on va sécuriser ça. Voilà, on peut pas tomber dedans. Toi, tu te tais. Enfin, tu t'éteins. Voilà. On peut plus tomber dedans. On illumine pour vous. Et j'aimerais bien trouver des putains de fossiles, s'il vous plaît. En restant poli, bien sûr. Un os, non. Qu'est-ce que je m'en fous de ça? Comment ça s'appelle? Ferns. Si. Des fossiles, s'il vous plaît. Truc, c'est que j'en ai, mais j'aimerais bien en avoir au moins une vingtaine. Minimum, parce que le. Comment on dit? L'analyse. Ça prend blindé de fossiles. Et en plus c'est pas sûr qu'elle... Oh, j'ai pété ma pioche. Merde. Et celle-ci elle va bientôt être morte. Donc on va devoir remonter. Je tue cette pioche-ci, histoire de reprendre ça. Puis on va remonter à l'arrache. Est-ce que j'en ai pris une de secours?
Non, je vais la garder un petit peu parce que si jamais je dois péter un bloc ou quoi pour remonter, ben, je saurais le faire. Donc on fait bien la technique, on suit les torches. Là, on reprend mon fucking escalier de secours. Voilà. Allez, grimpe. Voilà. Et là, je suis... Non, c'est par là que je suis venu. Ouais, c'est par là, je reconnais. Alors, on passe par là. Voilà. Donc, ce que, à mon avis, on fera dans le prochain épisode, ben, on va aller rechercher du bois. Voilà, j'ai eu peur que ça bleu, que ça bug. On va aller rechercher du bois et on va faire un enclos pour le premier dinosaure. Ouais, faut traverser là, truc, je me rappelle. Allez, grimpe, on va mourir. Voilà. On passe par là. Allez, pète-toi. Voilà. Et mais en plus... Oh, je suis venu par où? Oh, je sais plus. Attendez, les torches sont par là. Donc on est venu dans l'autre sens. On entre les deux. On n'est pas venu du plafond quand même. À moins que je me sois pété la gueule. Ouais, à mon avis, je me suis pété la gueule de l'autre. Ah non! Je me rappelle. Je suis descendu en minant en dessous de mes pieds en fait. Chose à ne pas faire. Mais bon, c'est pas grave. Visitera ça un autre jour. Je reviens dans un premier tour à la sortir. Donc la vidéo là, on est à 21 minutes. Et je m'améliore. Hein. L'escalier là. Et on a combien de fer? 63. Voilà. Ça c'est bien, on va même pouvoir se faire une armure histoire d'être tranquille. Et on n'a pas encore de diamants ni de dinosaures, pardon. C'est assez dommage. Je vais essayer comme... Enfin, quoi que 6 fossiles, je pense pas que je vais les avoir. On remonte par où? Par là. Je crois qu'on va visiter, on va aller au... Par... Non, c'est pas là. Et on va essayer de trouver une caverne plus parce qu'il me semble qu'il y a plus de fossiles quand c'est pas trop profond. C'est peut-être n'importe quoi ce que je dis, mais il me semble ça. Donc on va aller là-bas, il n'y a rien. Ouais, on ira voir par là. Donc on va rentrer à la maison. On va faire chauffer tout ce fer. Et l'or, bah, on s'en fout, on n'en a pas d'utilité pour le moment. Regardez, les fougères, ça pousse vite. Hein. C'est très moche, mais ça pousse vite. La canne à sucre, elle pousse aussi. Les cactus, ils poussent aussi. C'est nickel. Enfin, je sens bien faire l'enclos ici. À côté de ma maison. Enfin, de ma maison. De ma grotte. Qui ressemble à rien du tout. Est-ce qu'on essaye? Si j'ai pas envie de les gaspiller, en fait. Non, on va pas essayer. On va mettre ça. Et je vais aller essayer en dehors de la saison, tout seul, vérifier pour voir s'il y a moyen de réussir une analyse avec 6. Ce serait dommage de les gaspiller parce qu'en fait si je les mets pas toutes d'affilée, eh ben, l'analyse, ben, si elle arrive au bout des fossiles et qu'elle n'a pas réussi, eh ben, ça recommence à zéro, donc j'aurais fait ça pour rien. Je check juste aux alentours. Là il ben, y a un biome jungle, j'ai vu. Je check juste vite fait pour voir s'il n'y a pas des grottes aux alentours. Oula. Un petit frise de frappe, désolé. Pas l'air d'avoir grand chose. Je vais mettre à analyser les reliques scrap. Voilà. Attendez, c'est le bon? Je sais plus moi. Ouais, c'est bon. Ce truc là, on va le stocker parce qu'il sert pas à grand... Ah, là au-dessus. Non, je crois que je cherchais encore 2-3 minutes et puis après on arrêtera l'épisode ici. Y a rien du tout. Y a de la flotte. Elle va où la flotte?
Elle va là en bas, il n'y a rien du tout. Là, là il y a un trou. Et ici il y a une petite grotte. Je regarde. Oui, ça descend. Ah yes, il y en a là. Donc, oh oui, il y en a pas mal. Oh oui. Il y en a même beaucoup. Bon ben ce qu'on va faire, on va retourner à la maison. Je vais me refaire une pioche, je vais arrêter l'épisode et je vais tourner directement à l'épisode 4. Tant que j'ai la grotte. Oh oui, il y a plein de ressources. Je mine juste pour éviter que les monstres spawnent. C'est bizarre qu'il n'y a pas eu de spawn. Enfin soit c'est pas trop. Enfin moi je m'en plains pas. On met ça là. Donc technique Bob Lennonesque. On suit les torches, qu'elles soient à notre gauche. Sauf si on les a mis dans l'autre sens. Normalement par là ça devrait être bon. On sonne. Et là-bas il n'y a que dalle. Et la sortie c'est ici. Voilà, par contre, je vais foutre des torches pour retrouver la maison, parce que ce serait quand même con, mais il me semble que c'est... Ouais, c'est là. Enfin, c'est pas loin. Hein. Mais bon, je serais encore capable de me paumer. Alors, je préfère prévenir que... Non, il vaut mieux... Ouais, prévenir que de guérir. Super proverbe à la con, mais bon. Il passe assez bien, alors je me suis dit que je pouvais le sortir. On va ranger un peu tout ça. Putain, j'ai... En fait, il y a 5% de chance, je crois, qu'on tombe là-dessus et je tombe tout le temps dessus. Ah ouais, non, il faut que j'aille chercher du bois. Oh, putain, on a plein de choses à faire. Ouais, non, avec ça, je devrais me débrouiller pour le moment. On va en garder en secours. Ça aussi, on va regarder en secours. Ça, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Ça on prend toujours, ça sert. Ça on va garder. La bouffe on garde aussi. Ça on peut stocker, ça on a pas besoin. Ça on a pas besoin. Ça on peut garder, pas besoin, pas besoin. Ça, pas besoin non. Non, si on va garder quand même. Ah oui, Dinopédia, pardon. Ah, je suis en train de bailler. Alors, un Dinopédia. Non, dans l'autre sens. Non plus. Je vais y arriver. Hein. C'est un truc du genre. C'est un bouquin avec un fossile. Oh, je sais plus les crafts. Attendez. Parce que j'ai prévu le coup. Alors. Attendez, hein, je suis en train de regarder dans ma liste de craft. Ah non, merde, le Dinopédia, il faut une ADN. J'ai rien dit, j'ai raconté une connerie. Donc ça, on peut les stocker. Merde, il n'y a plus cette place. Bon, bah, ça devient vital. De toute façon, faudra juste que je suive ça. Moi, on va arrêter l'épisode là. Le prochain épisode, on va aller chercher du bois. En grande quantité. Donc merci d'avoir regardé cet épisode 3 de Capi dans le Jurassique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo, mettez-la dans vos favoris si vous avez aimé. Enfin, faites tourner la vidéo, la chaîne à vos amis si vous aimez bien et que vous pensez que ça pourrait les intéresser. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et salut à tous.